Les valeurs américaines évoluent de façon hésitante jeudi en début de séance après l'apparition de résultats mitigés de grandes entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Le dollar de son côté est à la hausse. L'euro-dollar est en baisse de 0,08% à 1,1264. La livre britannique dollar baisse de 0,44% à 1,4144. Et puis le dollar yen recule de 0,04% à 109,25. En focus aujourd'hui, le dollar néo-zélandais, dollar américain. La paire est à la baisse en dessous de la résistance à 0,69. Des positions courtes sont à prévoir en dessous de la résistance avec des cibles situées à 0,682 et 0,679 en extension. Les métaux précieux, quant à eux, ils sont positifs aujourd'hui. L'or en focus a franchi une ligne de tendance baissière qui est apparue le 12 avril, en même temps que sa moyenne mobile à 20 heures. Le RSI a franchi une ligne de tendance baissière et des positions longues sont à prévoir au-dessus de 1231 avec des cibles situées à 1251 et 1256,7 en extension. Et enfin, l'argent recule de 1,1% pour une once 3 à 16,15 $. Pour Trading Central, depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texier. Excellente journée à tous.